A prominent Cameroonian lawmaker has said the stunning progress and development in China point to the fact that the country is implementing a sound model of democracy. In a recent interview with Xinhua, Theodore Détuo, deputy speaker of Cameroon's National Assembly, said Chinese democracy has created room for ordinary Chinese people to be much more engaged in running their communities and society. La Chine aujourd'hui, avec la démocratie qu'elle applique, a cet avantage de présenter les résultats. Parce que la finalité de toute gouvernance, c'est le bien-être de la population. Et quand on voit le degré d'amélioration du bien-être de la population chinoise, on ne peut qu'apprécier la démocratie à la chinoise, qui est basée sur plusieurs piliers, parmi lesquels la gouvernance locale, qui a une très grande place en Chine, et surtout les consultations chinoises. Ce qui nous a le plus marqué dans le modèle démocratique chinois, c'est déjà le fait que les élections sont faites à la base, que ce soit pour le choix des représentants, des législateurs. On a des élections au niveau cantonal, on a des élections au niveau provincial, avant d'avoir des élections au niveau national. Ça, c'est une particularité chinoise et qui permet au peuple d'être associé. Et plus important encore, c'est la consultation des couches sociales. Ça veut dire que c'est cette couche de la population qui a participé de manière active à la prise de décision. Et c'est ça la démocratie, c'est-à-dire la gouvernance du peuple par le peuple. Et ça, il faut le reconnaître, c'est pas partout qu'on a cela.